Allez, petit copain. Coucou les Bubble Fans. Allez, attendez, coucou Calice, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Les vacances se passent bien? Oui. Oui. Alors, aujourd'hui, on va faire un cache-cache. Ça a été beaucoup demandé en commentaire. Bonjour à tous. Ça a été beaucoup demandé en cache-cache dans la maison. En plus, vous amusez à ça régulièrement. Antenna, elle aime bien se cacher quand Calice rentre de l'école. Et Calice, elle aime bien chercher. Ou pas. Alors, là, on va faire un chiffonnier pour savoir qui va se cacher en premier. Mais avant ça, il y aura aussi un petit chrono. Je vais mettre le chrono quand on va faire la première partie. Celui qui va chercher va enclencher le chrono. Il va compter jusqu'à 30. Et après, il va falloir qu'il revienne arrêter le chrono quand il aura trouvé la personne. Et celui qui aura pris au moins de temps pour trouver l'autre aura gagné. Attention, vous êtes prêts pour savoir qui va se cacher en premier? Chifoumi! Pikachu, Pikachu, ah, Pikachu, B, Pikachu, A, B, C. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Égalité, égalité, et là. Oh, c'est Athéna qui va se cacher en premier. Alors, je vais décider où tu vas compter, parce qu'en fait, il y a des cachettes partout. On se cache pas dans la toilette, on se cache pas dans la chambre par là. Bon, vous savez, je vous ai dit où on se cachait, où on se cachait pas. Alors, où est-ce que tu vas compter, Calice? Ici. Tu vas compter... Eh ben, t'as pas compté dans la toilette, toi? Parce qu'on a parlé de se cacher dans la toilette. Là, en fait, il y a des toilettes. Tu peux aller dans cette pièce-là, et tu comptes jusqu'à combien? 30. Tu comptes à voix haute? Ok, c'est parti! Ça va pas mal là, ça va? Là voilà! C'est parti! Oui. Ça y est! C'est parti! Alors. Attention! Regardez le chrono. Quand tu veux, tu appuies. C'est parti! On n'a pas dans les placards. Ah. On dans les placards. On peut se cacher derrière. Oui, pas dans le frigo non plus, hein, au cas où. Je précise. Pas dans le four non plus. Pourquoi pas dans le micro-ondes aussi. Dans la télévision. Ah, elle a trouvé. Elle va arrêter le chrono. 37 minutes, c'est énorme. Allez, 37 secondes et 30 dixièmes. Athéna, t'as été trouvée. Elle t'a pas trouvé tout de suite, hein. Maintenant, c'est Calice qui va aller se cacher. Alors, 37, 30, à battre. Moi, j'enlève mes chaussons parce que sinon, ça va m'empêcher de glisser. Est-ce que t'as une idée où te cacher? Top. Ok, alors attention, tu sais compter jusqu'à 30. Alors, Athéna, tu peux y aller, tu fermes la porte, tu peux allumer la lumière, hein, bien sûr. Donc, c'est parti. Alors, à votre avis, qui va gagner cette première manche? Ok, Athéna. Donc là, tu vas mettre le chrono. Quand tu es prête, c'est parti. Allez, go! Donc, pas dans les placards, pas dans le four, pas dans le frigo, pas dans les toilettes. Dans la pièce où je veux, on peut. Tout à l'heure, j'avais pas entendu un bruit. Rien. Tout à l'heure, j'avais entendu un bruit. Elle est pas cachée, c'est sûr. Elle est pas dans la salle de bain. Là, j'ai déjà fouillé. Dans votre chambre. Oui, vite, vite, arrêtez, arrêtez. Ah, une minute, j'avais une minute, c'est ça. Ouais, une minute 7 au lieu de 37 secondes. Donc, pour la première manche, c'est Calice qui remporte la première manche, mais c'est pas fini. C'est pas fini, Athéna. Parce que là, maintenant, tu vas pouvoir te recacher. On va se préparer pour la deuxième manche. En numéro 2. Les filles, nous sommes dans le round numéro 2. Alors toi, Calice, tu as gagné la première. Attention, la première manche, tu peux aller compter jusqu'à 30. Tu vas dans les toilettes. C'est parti. Bonjour, mademoiselle. C'est parti. Là, il y a un placard. Là, il y a un autre. Ah, tu fous dans les placards. Là, il y a un deuxième placard. On a le droit dans les placards, on a le droit. Ah oui, dans la maison aussi, on a le droit. Yeah. Un autre placard, la chaussure, ça y est pas non plus. À mon avis, elle est dans la pièce aux jouets. Ah, on dirait que c'est plus dur. Alors, dans la pièce aux jouets, tu crois? Pas dans la cave, on n'a pas le droit. Derrière la porte non plus. Pas sur le lit.
Non, la salle de bain, non. Ok. Vite. Ah, vite, attention. 1 minute 6, comme tout à l'heure, pour rester là. 1 minute 6 avec une 7, on tombe d'appui. Voilà, ça fait à peu près pareil. Alors, maintenant, c'est à Calice de se cacher. Et Athéna, tu dois trouver en moins de 1 minute 6 et 27 centièmes. Est-ce que tu as une idée où te cacher? Trop. Ok, Athéna, tu vas compter dans la pièce. Et là, je ne vais pas montrer au petit copain où tu te caches. Au revoir, les amis. Au revoir, petite Athéna. Allez. Alors, c'est parti. Chrono enclenché. Donc là, à votre avis, les petits copains, dites en commentaire où Calice peut être caché. Pour moi, c'est un bon indice dans le salon. Tu crois qu'elle est où, toi? Je sais pas. Quoi qu'elle est là? Là, non, je pense pas, parce qu'elle est pas derrière la porte, a priori. Non, parce qu'on n'en serait pas grosse. On peut pas se cacher dans les placards ni dans les tiroirs. Alors, au-dessus du lit, si tu veux. Non. Non. Ah, j'ai entendu un bruit. Le temps passe. Derrière la porte? Non. Ça sent un bruit par là. Je crois que là, à mon avis, hein, vu d'oeil, le minute 06 doit être passé. On a 2 minutes là. Dans la cuisine, est-ce qu'elle est derrière? Par là, non. T'as entendu un... Dans la cabane? Non. Là, t'as regardé un petit peu partout, faut que tu cherches mieux un petit peu partout. Ouais. T'as trouvé, vite! Allez! Vite, va arrêter! Aïe! Ah, la Calice était dans la valise! Allez, bravo, effectivement, c'est une bonne cachette. Là, t'as mis 2 minutes 50, donc tu n'as pas gagné la manche numéro 2. On fait une troisième manche. Super cachette, t'as vu? Ouais, super cachette. Allez, on passe maintenant au round numéro 3. Les filles, c'est parti pour le round numéro 3. Calice, tu peux aller compter. Athéna, attention, t'es prête à aller te cacher. C'est parti. Tu filmes pas aussi. Allez, je ne dis pas où tu es. Allez, alors maintenant on va mettre le chrono. Donc il y avait 2 minutes 50 juste avant. Est-ce que tu vas faire mieux? À toi de lancer le chrono. Et c'est parti, ça marche. Allez, pas dans le petit coin là-bas. La cuisine c'est fait a priori. Dans la cabane? Non. Regarde bien toutes les chaussures, on sait jamais. T'imagines, caché dans une chaussure. Mais pas le placard. Non. Deuxième placard. Ah ah. Non. Au-dessus de lui. Non. En dessous, non. Non plus. Non plus. Allez. Non plus. Dans le placard. Oh non, on l'a trouvé. Bravo, Calice. 53 secondes. Ok. Tu as gagné les 3 rounds. Maintenant, on passe au round numéro 4. Fort. Et donc, ça y est, Athéna s'est cachée. Tu as mis 53 secondes et 95 centièmes pour la trouver. Est-ce qu'Athéna va te trouver en moins de 53 secondes? Alors, attention, Calice, t'as une idée où te cacher? Top. On ferme la porte. Je ne vais pas du tout cacher là. C'est super bien caché. C'est très vite, toi. Allez, va mettre le chrono. Alors attends, effacer, 53, 95 à battre. Et c'est parti! Alors, dans la pièce là, non. La toilette, merde, tu as plus que moi en fait, tu cherches pas, tu fais la course toi. Dans la cabane non plus. Alors, premier placard, non? Là non plus. Non, t'en as pas là. Ah, c'est perdu pour Athéna. 1 minute 10. C'est pour le fun. C'est dommage Athéna, parce que t'es passé à côté, t'es passé à 50 cm et t'as été trop vite. En fait, tu passes en courant mais tu regardes pas. Coucou. Ça, on a entendu Calice. Coucou. Yeah.
Voilà, vite, allez, on va rentrer. Combien? 2 minutes 47 secondes, encore presque 2 minutes de plus. Athéna, t'as ouvert les deux placards, elle a pas fait le troisième. Hallucinant. Alors, est-ce que t'es prête pour un quatrième round, Athéna? Oui. Ok, Athéna, tu sais où te cacher? Ah, attends, je m'en souviens plus. Ah oui, c'est. Alors, réfléchis et on se retrouve pour le round numéro 4. Et ça y est, on se retrouve pour le round numéro 4. Non. Maintenant, on va aller se cacher. Enfin, Athéna va aller se cacher. Calice va les compter dans la deuxième salle de comptage. Là, on va changer pour le round numéro 4. Tu vas aller dans les autres toilettes qui sont là-bas. Ok? D'accord. Alors, on est parti. Et où t'entends très fort? Tu comptes à voix haute. Non, 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 non. Voilà. Deux. Allez, on compte. Sans faire dans les toilettes. 10, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, alors, attends, oui, d'abord, n'oublie pas le chrono. Attention, c'est parti. Ensuite, dans 10 minutes, t'as pas trouvé, on arrête, hein. Tu sais où elle est? Tu l'avais dit? Pourquoi tu cherches dans la chambre? Mais parce qu'elle est dans la chambre! Elle est peut-être dans la cuisine? Non! Elle est là! Parce que tu l'as entendu et tu donnes des indices? Athéna, je sais pas où tu es, mais il faut pas donner des indices, après elle va te trouver facilement! C'est plus Chris! Athéna! Non, Athéna, je te donne pas un indice! Si tu veux gagner la round 4, bah dis donc, tu restes scotché sur la chambre. Mais oui. Faut pas te cacher sous un pyjama. Mais non. Ouais, pourquoi pas? Oh là 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 là. N'importe quoi. Ouais, bravo. C'est dans le coffre à jouer. Arcalis, combien? 2013 et 22 centièmes. Bravo, check. Alors maintenant, ça va être au tour de Calice de se cacher. Athéna, tu peux aller dans la salle de comptage numéro 2, comme Calice. Et tu comptes jusqu'à 30 à voix haute. C'est parti quand tu veux, appuie sur le bouton. Go! Bravo, vite. 17 secondes, t'as battu tout le record. On va passer maintenant au round. On en fait un autre ou pas d'ailleurs? Oui. Elle adore ça, Athéna. On pourrait jouer toute la journée. En round numéro 5. Alors attention. C'est dernier. Allez, pour ce round numéro 5, on va aussi dans la deuxième salle de comptage. Et tu comptes à voix haute, s'il te plaît. Allez. Je sais pas où elle est, là, je fais le tour de bord. Et c'est parti. Alors, même moi je sais pas où elle est là pour le coup, j'ai pas eu le temps du tout de voir par où elle était partie. Et 7 secondes. Oh, t'as pris la cachette la plus facile du monde là. Là maintenant, il y a égalité. Ah non, il faut d'abord que tu te caches, Calice, mais ça va être dur de battre 7 secondes. Hein. Ça va être dur. Athéna, tu vas compter? Ok. Allez, c'est parti. Bravo Athéna. Alors, le chrono, c'est parti, 7 secondes à battre. Je m'en fiche des 7 secondes. Est-ce qu'elle est derrière la porte? Non. Athéna, tu as perdu. Oui, c'est vrai, ça fait plus de 7 secondes. T'es bien dans la bonne pièce, mais c'était dur à battre, hein, 7 secondes. Gagné. Bravo, allez vite, quelqu'un dans l'adaptateur. Non, le chronomètre. On a mis 7 secondes, c'était impossible. Et 27 secondes et 83 centièmes, mais c'est déjà très très bien. Mais hé, là, il y a une manche partout, on va dire, pour la manche 4 et 5. Là, les trois premières manches, c'est Calice qui les a remportées. Mais si tu remportes, remporte les deux. Non, le deuxième match, j'avais fait 7. Non, j'avais fait 17. Oui, t'as gagné tout à l'heure. Athéna, t'as gagné le round numéro 4. Et Calice a gagné le round numéro 5. Il y a égalité dans cette deuxième partie. Maintenant, on va faire le round numéro 6. Et c'est Athéna de se cacher. Calice, tu peux aller compter. Allez, c'est parti dans la salle de comptage numéro 2. 1, 2, 3, 26, 27, 28, 29, et j'arrive.
Ok, alors chrono, c'est parti, démarrer. Par contre, on se cache pas dans les cachettes qu'on a déjà fait au début. Hein. Voilà, toutes les cachettes qu'on a fait jusqu'à maintenant, on ne les refait pas. La pièce au jouet, non plus. Alors, il fait trop de bruit. Parce que t'as déjà caché la pièce au jouet. C'est moi qui ai fermé le placard. Et entendu du bruit. Dans la cabane, personne s'est caché dans la cabane encore. Ouais. C'est un risque. Hein. Après, si on l'a fait en dernier, on peut gagner. Hein. Tout à l'heure, t'as fait le canapé en premier et malheureusement, enfin, heureusement pour toi, tu as battu le record avec 7 secondes. Là, t'as pas battu le record, ça c'est sûr, mais c'est pas perdu. Je pense qu'elle est bien cachée. Coucou! Non, tu donnes pas d'indice, Athéna, cette fois. Ah, attention les petites voix. Au-delà de 10 minutes, bien sûr, on arrête le chrono et c'est perdu, de chez perdu. Mais en fait, même les petits copains ne savent pas où elle est. Ah si, j'ai donné un indice. En filmant. On est à 2 minutes. 2 minutes, c'est pas mal déjà 2 minutes. Hein. Athéna, si jamais tu m'entends, on ne donne pas d'indice. Je pense qu'elle peut quand même largement te trouver avant les 10 minutes. La pièce où je vais t'avoir regardé, je crois. Bah alors, il fait du bruit. Donc là, c'est la pièce où je vais. Il y a tous nos petits jeux qu'on a déjà ouverts, ou aussi nos déguisements. Mais elle est où? Elle est bien cachée, Athéna, cette fois. Non, pas là. T'as bien fait la cuisine? De fond en comble. Dans la poubelle. Elle est super bien cachée. Mais elle est où? Ah bah c'est ça, c'est le but, c'est pas cache-cache. Non. Comme tu le sais, l'indice tout à l'heure, c'est qu'elle m'a même demandé son aide. Marc, pour le lance-tuileur aussi, elle avait besoin de moi pour que je remette bien le petit. Comme moi, je t'ai dit d'ailleurs pour la valise aussi, t'avais besoin de moi. Et il y a combien de minutes là? Là, franchement, je pense que. Athéna, tu es 4 minutes 17. Abandon ? Si t'abandonnes, c'est comme si t'abandonnes, c'est comme si tu étais à 10 minutes. T'as le droit d'abandonner et on peut dire que tu as 10 minutes. Non ? Tu peux encore gagner. Moi je vous disais que Athéna c'était la reine du cache-cache. Là elle a trouvé une super cachette. Je suis un petit peu aidé, mais c'est une super cachette. Pas dans la vaisselle, je suis pas fini. Non, pas dans le placard. J'ai entendu du bruit. T'as entendu du bruit, hein ? Athéna, dis rien, parce que là tu peux battre le record. On est à combien ? 5 minutes 58, on a 6 minutes, 6 minutes, encore 4 minutes maximum de recherche. Et là, 4 minutes, d'un côté, il y a Kaïs qui aura battu le record avec 7 secondes. Et de l'autre côté, eh bien, Athéna aura battu le record du cache-cache avec 10 minutes. Mais ça m'étonne pas, parce qu'elle est forte en cache-cache. Même dans le montage vidéo, hein, il y a des coupes. Hein. Parce que 10 minutes comme ça. Elle est où? Et là, ça va, comme je sais où elle est, je suis rassuré. Mais des fois, même quand on cherche à deux, on ne la trouve pas, Athéna. Mais t'en as quand même gagné 4 manches sur 6, mais là celle-là ça va être difficile. Elle est où? Athéna! Athéna! Athéna, tu réponds pas, hein? J'abandonne! Non! Attends, attends, si t'abandonnes, c'est 10 minutes. Tu prends tes 10 minutes? Oui. C'est vrai? Oui. 10 minutes? Oui. 10 minutes pour. Non, 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 non! Non, non, ça y est! T'es trop tard! T'as abandonné! Non! Et là, 7 minutes 39, 13 centièmes, mais t'avais abandonné! Non! Bon, de toute façon, on verra. Déjà, à mon avis, 7 minutes 39. Donc, Athéna, en fait, t'as trouvé, elle attend de dormir, ça se trouve. Ça va, Athéna? Coucou! À toi! Athéna! Oui! Ça compte pas! Bravo, Athéna! Allez, 1, 2, 3. Donc là, Kalis a besoin de mon aide également. Donc là, Athéna, tu te mets dans la salle de comptage numéro 2 et tu comptes à votre, pas trop, pas trop vite. Mais non, mais on va jamais avoir le temps. C'est bon, Athéna? J'ai tourné. T'as tourné? Oui, t'as fait les tourné. Ah d'accord, ah oui, bah oui, forcément. Voilà, déjà on va mettre le chrono. Attends, je sais où elle est. Quoi déjà? Ouais. Mais je veux pas de l'indice. Attends, 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 attends. Vas-y, c'est toi qui mets le chrono. Elle est en rouge, je sais. Elle est où? Elle est en rouge, j'ai vu celle qui est dépassée. Ah ouais, c'était peut-être pas finalement la meilleure cachette du monde. Je t'ai vu. Et j'ai pas donné du tout d'indice. Hein. Par contre, je t'ai vu tes pieds. T'as dû montrer ta petite tête. Et donc, là, tu as mis
T'as pas battu Calice, hein. T'as mis 8 secondes, Calice a mis 7 secondes 70 centièmes. Donc t'as pas battu le record. Vous avez chacune votre record. Non mais toi, Calice, t'as battu le record. Oh, elle est déçue parce qu'elle pensait avoir trouvé la cachette du siècle. Ouais, c'était une bonne cachette quand même. Le problème c'est que maintenant tu peux plus descendre. J'ai cherché l'escabeau. Parce que j'ai fait la courte échelle pour monter, c'est facile. Et toi par contre, Athéna, tu as battu le record du cache-cache. Vous avez chacune votre record. Par contre, toi, Calice, t'as battu, tu as fait 4 rounds sur 6 que tu as gagné. Bravo. Toi, Athéna, t'en as gagné 2 sur 6. Athéna, tu as gagné la, on va dire, la deuxième manche des 3 rounds. Et toi, Calice, tu as gagné la première manche des 3 rounds, j'arrive pas à parler. Bref, c'était un cache-cache mémorable. Vous avez chacune battu des records, et on s'est amusé, c'est le principal. Dites-nous en commentaire quelle cachette vous avez préférée. Moi, j'ai adoré celle de Calice. C'est vrai qu'elle a été vue tout de suite avec ses pieds. Ses pieds ont trahi. Et puis toi, Athéna, super cachette aussi. Voilà, bravo. Allez, je fais descendre Calice. Et on se retrouve pour la conclusion. Et ça y est, Calice est redescendu. En tout cas, c'était une super partie de cache-cache. Dites-nous en commentaire les cache-cache et cachettes que vous avez préférées. La mienne. Voilà, bon. Non, c'est Calice qui a gagné au niveau des rangs. Au niveau du temps de cache-cache, de cachette, c'est Athéna. Au niveau du temps pour trouver l'autre, eh bien, c'est Calice. Chacun a gagné des petites choses comme ça. Bravo les filles, en tout cas, on s'est bien amusé. Alors dites-nous si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez qu'on repasse un cache-cache ici ou ailleurs. Et puis voilà, ça vous a plu ou ? Oui ! Bon bah très bien ! Allez, et puis là, on vous emmène avec nous aussi en vacances, que bien sûr on va pas rester à faire du cache-cache pendant 2 mois. D'accord, on vous réserve des surprises, mais vous verrez ça durant l'été. D'ici là, on se fait des gros bisous. Bisous les filles, et puis bah voilà, puis bisous à tous, et n'oubliez pas, soyez vous. Soyez bien. Soyez. Et bon. Et. Bébé Boré! Bravo, Calice! J'ai encore une super coupe, moi. Allez voir le prank hein, quand Calice m'a bien coupé les petits cheveux. Voilà! Enfin, bien, faut le dire vite, mais elle m'a coupé les cheveux.